Passer d'une photo à un écran de sérigraphie nécessite d'agrandir le cliché initial par prise de vue successive. Les contrastes peuvent alors être renforcés ou atténués à volonté. Résultat, un grand film tramé qui va permettre d'impressionner l'écran. L'écran de sérigraphie, jadis en soie, est un tissu synthétique à mailles plus ou moins serrées selon l'effet désiré et étendu sur un cadre. Il est enduit d'un produit photosensible. Le film est fixé sur cet écran et l'ensemble exposé à une lumière très vive. L'écran est lavé à l'eau. Des parties noires, non impressionnées, se dissolvent et libèrent l'émail de l'écran. Les parties blanches, au contraire, durcissent en obstruant l'émail. L'image obtenue sur l'écran est donc négative. Après séchage, l'écran est posé sur le support, papier ou toile. De l'encre est versée, puis étalée sur l'écran. À l'aide d'une raclette, elle est ensuite pressée fermement. Le colorant traverse les mailles libres du tissu et donne donc une image positive. L'écran peut servir un grand nombre de fois.